Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je prépare Dido avec Kramer. En effet, si vous connaissez Kramer Équitation, vous avez sûrement déjà reçu le magazine de la nouvelle collection automne-hiver 2021. Et pour changer des traditionnels unboxing, j'ai décidé de vous présenter les produits que j'ai choisis sous un format différent. Donc pour commencer, j'ai chargé la voiture avec mes affaires pour monter, ainsi que le gros colis Kramer, et c'est parti, direction l'écurie. Arrivé à l'écurie, j'ai été chercher Dido dans son box et je l'ai amené aux stabulations pour le préparer. Ensuite, je lui mets du démêlant sur sa crinière et sur sa queue. En attendant que le démêlant agisse, je lui enlève ses petites taches à l'aide d'une pierre ponce. Puis je viens brosser ses crins une fois que le démêlant a fait effet. Après, je viens passer un petit coup de brosse pour enlever la poussière et les poils. Ensuite, je lui fais ses quatre pieds et ici vous pouvez voir que je porte une petite polaire grise, ainsi qu'une doudoune sans manches de la nouvelle collection Kramer, mais vous la verrez un petit peu mieux lors des images à cheval. Une fois le pansage terminé, je vais ouvrir le colis pour lui mettre ses nouvelles affaires. Pour commencer, j'ai pris des guêtres de dressage en rose gold qui sont juste magnifiques. Elles ne font pas partie de la nouvelle collection, mais elles vont aller parfaitement avec le reste des articles. Et j'ai pris deux paires pour les antérieurs et les postérieurs. Ensuite, de la nouvelle collection, j'ai pris ce magnifique tapis en gris carbone avec les détails en rose gold pour rappeler les guêtres. J'aime beaucoup la coupe du tapis qui est un peu rectangulaire comme ça. Et il a également un passage de sangle en scratch. Après avoir mis le tapis, je viens lui mettre sa selle puis je sangle. Une fois que Dido est scellé, je mets ma bombe qui a aussi des petits détails en rose gold. Puis je mets mes bottes de dressage. Et ensuite, dernier produit que j'ai choisi, il s'agit bien évidemment du bonnet qui va avec le tapis. Donc pareil, il est en gris carbone avec les détails en rose gold. Après, je lui mets son bridon qui vient aussi de chez Kramer, mais que j'ai reçu dans un autre colis pour la collection printemps-été 2021, que vous avez sûrement déjà vu en vidéo YouTube. Si ce n'est pas le cas, je vous mets la vidéo juste en barre d'infos. Donc pareil, le bridon a plein de petits détails en rose gold. Et pour finir, je mets mes gants qui ont aussi des détails en rose gold.
Et ensuite, je me mets à cheval et on part direction faire quelques photos montées. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus des articles que j'ai pris pour moi. Donc pour commencer, j'ai pris une petite doudoune sans manches assortie à l'ensemble de Dido. Elle a aussi des détails en rose gold et elle a deux poches sur le côté et des pressions à l'arrière pour monter à cheval plus librement. La veste a aussi une très grande capuche qui permet de la mettre même avec une bombe. Et pour éviter qu'elle bouge à cheval, il y a une petite pression juste à l'arrière. Et pour finir, j'ai pris une petite polaire pareil pour aller avec l'ensemble de Dido. Donc elle est grise avec des détails en rose gold. Après avoir fait quelques photos, direction la piste intérieure pour travailler car il pleuvait un petit peu. Avant que je vous laisse avec la suite des images, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, donc loup.antique et loup.dido, car un jeu concours avec Kramer pour gagner un bon d'achat de 100€ arrive prochainement. Maintenant, je vous laisse avec les images pour découvrir les articles à cheval. Une fois notre séance finie, je remonte jusqu'aux stabulations, puis je descends. Ensuite, je lui enlève son bridon et son bonnet. Après, je lui enlève sa selle et son tapis. Et pour finir, je retire à l'aide d'une brosse le sable sur les guêtres, puis je lui enlève. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo dans un format différent vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je tiens à remercier Kramer pour tous ses beaux produits. Des bisous !